Coucou les choucroulous, ici Lupina pour un nouvel épisode de l'histoire des Degalientis. Et comme vous avez pu le voir, ça s'est pas très bien passé. Puisque Crystal et Gabriel ont eu un rapprochement assez conséquent, même si je vous ai pas tout montré, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça n'a pas trop plu à Léontine qui est un peu vieux jeu. Donc, elle a fait tout simplement dégager les garçons. Alors, ils ne sont pas loin, ils sont juste dans l'appart à côté, que j'ai pas encore aménagé. J'avoue, j'ai pas encore aménagé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme s'ils étaient partis. Donc, j'ai vidé leur chambre, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà, il n'y a plus rien dans leur chambre. Et la chambre des jumeaux, bah, c'est juste pour Maria. On les reverra, ne vous inquiétez pas. Et ce que je compte faire, c'est que Bertie aille d'un endroit à l'autre selon les épisodes. Comme ça, il y en aura pour tout le monde. Et aussi, pourquoi j'ai fait ça, vous allez me dire, parce que ça me stresse vraiment d'avoir un mode dans mon jeu. J'ai tellement peur que ma sauvegarde disparaissent ou que ça crache ou que il y a un souci, du coup je préfère enlever le mode et être tranquille. Et donc les filles sont tristes, bon là évidemment elles le sont plus sinon c'est pas drôle, les filles sont tristes et pour pallier à ça, on va dire, elles vont organiser une petite fête. Je vous avais dit la semaine prochaine qu'on irait, qu'on bougerait de l'appartement, donc on va faire ça. Je veux Bertie, merci. Donc Bertie qui est plutôt amie avec tout le monde, donc ça va, on est tranquille. Raconter une histoire drôle. Allez, raconter une histoire drôle à tout le monde là. Et j'ai pu modifier Crystal du coup, donc j'ai pu modifier sa forme vampirique. Je lui demandais de nous la montrer. On peut pas lui dire montre-nous ta forme sombre. Attendez, peut-être là-dedans. Demander une transformation, non, c'est pas ça. Non. Frimer avec ses pouvoirs. Bah, on peut pas? On peut pas lui demander. Bon, bah écoutez, je vais la faire changer directement. Vampire, montrer la forme sombre. Allez, vas-y. Hop. C'est trop drôle quand ils font ça. Voilà, donc elle est comme ceci. Je la trouve plutôt mignonne. Et c'est vrai que Crystal est très kiki et qu'elle fait un très beau couple avec Gabriel. Bon, ils sont pas en couple officiellement, on va dire. Ils ont fricoté. Mais ça ne saurait tarder à ce qu'ils soient en couple. Mais ne vous inquiétez pas si vous êtes déçus, si vous pensez que Gabriel ou même Crystal aurait fini avec Bertie. Sachez que rien n'est définitif. Bon, du coup, on va attendre que madame ait fini ses leçons. Tout le monde a du plasma. Du coup, j'ai suivi les conseils de Simette et j'aurais mis à tous des packs de plasma parce que visiblement, quand c'est dans le frigo, ils ne vont pas en boire. Donc, faut pas chercher. Tout le monde va boire un peu de plasma, s'il vous plaît, les filles. Allez, hop, hop, hop. Je vais quand même vérifier ça parce que j'ai tellement peur qu'il y en ait une qui meure. C'est pas du tout au programme, là, qu'il y en ait une qui meure. Et j'ai pas envie de devoir tout refaire. Donc là, c'est bon. T'as fini tes devoirs. Toi aussi. Toi aussi. Toi, t'as plus ton cahier, donc c'est génial. C'est super. On va te recommander un bouquin, hein? C'est bizarre. Ou que c'est qu'il est ton bouquin? Je ne suis pas d'accord, madame. Non, non, non. J'adore. Et mon PC lag. Je ne sais pas ce qu'il a en ce moment. C'est pourtant un bon PC. Je pense que c'est ma faute. Il va falloir que je fasse un nettoyage intensif de la chose. C'est bon, elle a fini ses devoirs. Ah, bah tout le monde a fini? Ah, bah tout le monde a fini, alors. Oh, regardez ces informations. Super. Alors elle est sur sa tablette, et l'autre, ils boivent ça comme un cocktail, ça me fait tellement rire. Il est 11h du matin, donc il est peut-être quand même un peu tôt pour aller en boîte. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on va discuter avec les filles. Crystal, ce que tu vas faire, c'est que tu vas téléphoner à ton petit chéri. Hop, où c'est qu'il est? Là, Gabriel. Discuter avec lui.
Du coup, elle peut pas vraiment l'inviter à venir parce que Bertie, je sais pas ce que tu fous, mais je t'ai pas demandé d'aller là-haut, hein. Non, 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 madame. Non, 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 non. Elle va discuter avec son chéri, celle-là. Et on va parler avec Lady, tiens. J'ai l'impression de la délaisser, Lady, donc du coup, on va lui tenir la jambe. J'ai aussi l'impression de délaisser Lindy. Ah, c'est horrible, j'ai l'impression de tout se délaisser, là. Non, 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 ça va pas du tout. On va devenir très proche de Lady et de Lindy. Et d'ailleurs, pour la semaine prochaine, vous voterez pour une fille. Oubliez pas en cliquant sur le petit i à droite de l'écran. Et d'ailleurs, il n'y aura pas Crystal dans les choix. Comme ça, on va un peu tourner, que ce soit pas toujours les mêmes qui passent. Et par contre, je vais vous donner un petit conseil. Ne choisissez pas toujours celui que vous préférez. Parce que peut y avoir des bonnes choses comme des mauvaises. Voilà, je ne dis rien. Je ne dis rien. Du coup, Maria va allumer le feu. Allumer le feu. Au lieu de regarder la téloche, là. Oh! Maria, loulou, faut que je change leurs vêtements, en fait. J'ai pas fait gaffe, mais j'ai pas changé tous leurs vêtements, mais ça me saoule parce que du coup, je vais devoir refaire leur forme sombre. L'organisation pourrie de Lupina. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais pourquoi tu leur parles pas? Ah oui, aussi, j'ai changé leur coque de téléphone à tous. Donc, j'aurais mis une couleur à chacun. Donc, Lady a le rose, Lindy le blanc, Crystal le bleu clair, je crois. Je me suis trompée. C'est ça, Crystal du bleu clair. Maria du jaune et Lady, n'importe quoi. Persil du violet. Ça ne s'arrange pas. Je suis en train de tous les confondre, là, je vous jure. Bon, du coup, ce que vous allez faire, les filles, c'est que vous allez montrer votre forme sombre. Normalement, j'ai augmenté le son du jeu. J'espère qu'il est pas trop fort. Normalement, c'est bon, mais on sait jamais parce que moi, ça m'explose les oreilles. Donc, on adore. C'est génial. Alors, tu vas montrer la forme sombre. Maria, évidemment, c'est celle qui se casse. Qu'est-ce qu'elle va foutre? Ah, tu vas discuter avec les garçons, donc directement, madame, oui. Ah, ben d'accord, on lasse Gabriel, Raphaël, vas-y, vas-y, on lasse Raphaël pour voir. Est-ce qu'il va... Ah non, ça n'a pas marché. Oh, mais je veux que tu... Ben on lasse le, c'est rigolo maintenant, on lasse le, allez hop. Demander un petit prêt, non, on va éviter quand même. Bah, il n'y a plus enlacé. Remboursé! Oh, mais je vous jure, mais je vois rien en plus. J'ai la tête dans le baba, là. Parler de tout et de rien. Et bah, parle avec Mike aussi pendant que t'es là, ma vieille. Flatte-le. Allez, hop. Bon, bah, du coup, on va montrer la forme sombre des autres. Vampire, montrer la forme sombre. Vampire, montrer la forme sombre. Crystal, la forme sombre. Et Bertie. Bertie, normalement, c'est bon. Ouais. Donc, ça, c'est cool. Et je voulais dire un autre truc, mais j'ai encore oublié. Bravo, Lupina. GG. GG le pâté. Bon, alors, du coup, je pourrais plus contrôler les garçons, mais c'est pas grave. Alors. Déjà, on va faire un groupe. Parce que là, il y avait les deux garçons, mais il y avait pas tous les garçons, donc on va mettre tous les garçons. Ils sont quatre garçons et cinq filles, je crois. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. J'ai profité du Master Commander en fait pour leur augmenter certaines compétences. Ils ont pas tous les mêmes. Les seules compétences que j'ai mis à tout le monde, sauf Bertie évidemment, puisque Bertie on augmente ses compétences dans Let's Play, ce sont 5 en danse et 5 en chant, histoire qu'ils aient quand même eu une petite culture. Il y en a qui savent jouer des instruments, il y en a qui sont bons en jardinage, il y en a qui sont bons en charisme, etc. J'essaie de respecter par rapport à leurs aspirations. Donc elle, par exemple, je lui ai mis de la logique, parce que pour moi, la logique, ça regroupe aussi, pas la manipulation, mais la logique. Enfin, bon, si elle veut être baron de l'immobilier, c'est logique d'avoir de la logique. La meuf qui sait pas s'expliquer. Et voilà, bon, bref, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement au lieu, parce que là, j'ai l'impression que on va parler, et qu'on va pas y aller, parce qu'il fait déjà 10 minutes, donc on va se manier le fion-fion. Je vous retrouve là-bas.
Et re mes choucroulots, du coup on n'est pas du tout à l'endroit que j'avais prévu, mais on est sur un château que j'avais fait. Normalement, vous avez sûrement vu, c'était pour le défi un mois une construction de, je sais plus, janvier peut-être. Donc c'est une salle des fêtes, bon techniquement c'est pour les mariages, etc. Mais bon, je devais aller dans un autre lieu, sauf que je me suis rendu compte qu'il manquait des trucs dans ce lieu. Je l'avais changé pourtant, mais ça n'a pas dû enregistrer, je sais pas ce qui s'est passé. Donc on va aller là en attendant et on va surtout se dépêcher d'y aller parce que là ils sont en train de cramer nos petits vampires. Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Vite! Hop là, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va mettre des plats. Servir, tout servir, tout servir, remplir la fontaine de cocktails de fruits et remplir la fontaine de cocktails de fruits. Là, il y a tout le monde, il manque un garçon, je crois. Faut que je surveille, j'ai vraiment aucune envie qu'ils aillent dehors. Donc écoutez, on va... ça a pas sauvegardé. Ah, je suis à côté de mes pompes aujourd'hui, hein. Je fais n'importe quoi, j'en ai marre. Il manque un garçon. Non, c'est bon. Bon, et bah alors commencez la réunion. Voilà. Du coup, parce qu'il manque Gabriel, il est pas là. Ok, ça a bugué. Ah, c'est bon. Hop! Ah oui, mais je veux quand même l'ajouter à la bande, enfin. Oh, crotte, ils sont plus dans la bande du coup. Bon, bah, les filles, ne rentrez pas, c'est tout ce que je vous demande. Ce qu'on va faire, c'est que elles vont aller danser. Crystal, tu vas où? Tu me fais peur là. Où que c'est que tu vas? Tiens, serre donc ici. Remplir la fontaine de chocolat. Allez hop! Crystal! Oui, Gabriel. Gabriel! Ne reste pas dehors! Oh mon Dieu! Non, il est en train de fondre. Allez ici ensemble, vite Gabriel, rentre. Oh, il va cramer. Dépêche-toi. Ah, punaise. Il est en train de cramer. Oh là là, l'angoisse, l'angoisse. Si jamais vous voulez retrouver ce lieu, il est bien évidemment dans la galerie, donc je vous invite à le faire. Crystal, tu vas aller pécho ton chum, hein. Écoutez, il y a des chambres, donc c'est le moment de faire ce que vous voulez. Où c'est qu'on va vous mettre dans celle-là. Allez, hop. Allez ici. Ah oui, mais attends, faut qu'elle lui parle avant parce que sinon ça va pas marcher. Tu vas lui demander d'être ton petit ami. Écoute. Tant qu'à faire. Hop, et ensuite vous allez faire ce que vous voulez. Et nous, on va s'occuper de la petite Bertie. Alors, Edouard, comment tu vas? D'ailleurs, un truc drôle, c'est que je me suis rendu compte que Gabriel et Edouard se détestent aussi. Donc tout le monde déteste Edouard, voilà. Donc Edouard, t'es un petit con, ça doit être pour ça. Hein? Ça m'a fait trop rire quand j'ai vu ça. Alors, on va raconter une blague. Ça y est, donc ils sont en couple, c'est officiel, amour. Non mais Bertille, tu vas pas draguer Lindy quand même. Enfin, tu pourrais, hein, moi ça me dérange pas. Ah, je suis bête, je suis n'importe quoi. J'ai essayé d'être pote avec tout le monde. Enfin, ça va, hein, franchement, elle est vachement bien dans l'amitié. Bah moins Gabriel du coup. C'est dommage. Est-ce que vous pouvez aller danser, tiens? Est-ce qu'on peut mettre... Ah, il y a un DJ, parfait. Viens danser. Allez, hop. Toi aussi. Danser en bande, en arrière toute. Pour aller aux toilettes. Super. Allez, ma petite lady. Vas-y, fonce. Oh mon Dieu, tu chantes mal. Arrête! Oh, quelle horreur! Qu'est-ce que quelqu'un qu'on ne connaît même pas? C'est horrible quand tu chantes, Pépette. Ah, bah c'est bon, elles sont en groupe, les filles. Est-ce que vous pouvez danser toutes les quatre? Ouais, toutes les quatre. Allez, on danse. Et Bertie, je sais pas ce qu'elle fout. Oh, ce jeu qui bug, ça me fatigue. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, ça y est. Arrête de chanter! Vieille morue! Bah, vous dansez?
C'est quoi cette danse? Bon bah écoutez hein. Ah oui, vu que j'ai agrandi le truc, danser ensemble, c'est bon. Donc tout le monde danse, c'est parfait. Ils dansent très mal les pauvres. Oh la vache. C'est quoi cette danse là? Mais c'est pas possible, on n'est pas à Hawaï. Ça, je vous jure, ça me fait penser à une danse hawaïenne. Oh! Vous avez vu ce qu'elle a fait, Lady? Elle a fait un salto là. C'est chaud de faire un salto sur soi-même comme ça. GG, ma vieille. Est-ce que tu peux faire un duel avec quelqu'un, toi? Je regarde. Duel de danse. Oh ouais, avec qui on fait un duel? Avec Lindy, tiens. Allez, vas-y. Fais un duel avec Lindy. S'il te plaît. Elle est où, Lindy? Elle est là. Elle fait le duel ou pas? Non, elle danse. Arrête de danser, fais un duel. Allez! Je suis désolée si je crie, hein. C'est mon casque, il est nouveau et je suis pas habituée. Allez, fais un duel avec Lindy! Dépêche-toi! Vas-y, va! Oh, elle est tellement mignonne. Allez! Bon, bah, vas-y, bon ou pas? Qu'est-ce qu'elles foutent? Elles sont buggées. Allez, les filles! Qu'est-ce qu'elles font? Oh, c'est buggé! Oh! Mais arrête-toi le temps! Oh, Boudjou! Mais faites un duel! Oh, mais je suis déçue. Ils font pas de duel. T'es complètement buggé. Mon PC est en PLS en fait. Je sais pas trop ce qui se passe. Duel de danse. Avec Lindy. Allez! Dépêche-toi! Bertie! Dépêche-toi, Bertie! Non, mais c'est agaçant là. Arrête de rien faire et fais ce foutu duel. Bon, bah, ils sont complètement tous buggés. Donc, on va mettre fin à la réunion. Hein. Peut-être que ça va arrêter de. Oh là là. Ah, ça y est, ils ont tous. Ils se cassent. Eh ben, au revoir. Allez, fais le duel avec Lindy maintenant. On veut voir ça, nous. Allez. Mais pourquoi veut pas? Ah, mais casse-toi, vieille peau! Mais pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Regardez la danse. Mais on s'en fout! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Au revoir, oui, c'est bien. Allez, au revoir, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, fais un duel avec Bertie! Oh! Eh, mais ça va me rendre chèvre! Pourquoi elle peut pas? Oh, bah, super! Super la galette, rassure-moi, t'es au courant que Bertie, c'est ta pote ou pas? Non? Je sais pas. Comment ça se passe? Duel de danse. Ça m'énerve. Avec Lindy. Mais faites un duel, bon sang de bois! Bon là, elle se raconte une petite blagounette. Gabriel est parti, j'espère qu'il a pas fondu. Bon bah elles y vont. Oh, oh ça m'énerve. On perd du temps en fait avec vos conneries là. Bon bah je suis désolée, elles ont pas l'air de vouloir faire un duel dedans. Je sais pas pourquoi ça marche pas, ça me casse les noisettes. Ils restent là, buggés, à rien faire. J'espère au moins que Gabriel est parti. Oh, oh le festival de l'amour! Dommage. On n'ira pas cette fois. Bon, bah, je sais pas ce que vous pouvez faire. Hein. Tiens, bah, Lady, tu vas discuter avec Raphaël. Allez, hop. Vu que t'aimes pas ton frère, donc tu vas éviter de lui parler. Hop. Maria, tu vas discuter avec Mike. Allez, on raconte des histoires drôles, des combats vampiriques, des machins, des bidules. Et Crystal, je t'aurais bien dit de profiter de Gabriel, mais cette andouille est partie, donc tu vas tenir le crachoir à Edouard. Voilà, hop, on dit qu'il est gentil,
On dit qu'il est drôle, tout ça, et nous, bah, je sais pas ce qu'on va faire, hein. C'est chiant. Ah, mais faut un duel là? Non, je sais pas ce que foutre. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi cette danse? C'est quoi cette danse? Vertige! C'était horrible! Oh mon Dieu! Ah, ça y est, il se décide! Non, je sais pas. Je comprends rien. Je comprends rien, ça me blase. Bon. Et si on lui faisait une petite formation empirique? Mais casse-toi de là! Oh, qu'est-ce qu'il est moche, le pauvre. Bon, Bertille! Faudrait aller voir Lindy. Oh là là! Bon, je crois que j'ai arrêté de parler à Lindy parce que ça marche pas. Pauvre Lindy! Allez! Ça m'énerve! Bon bah je suis désolée les gars, hein. C'est, je sais pas ce qui se passe, je sais pas pourquoi ça fait ça, je sais pas pourquoi il ne se passe rien. Ils sont tous actifs derrière, hein. Ça y a pas de souci, mais eux non. Bon bah écoute, hein. Qu'est-ce que je te dise? Ça marche pas, hein. Est-ce que tu peux, non bah il y a même pas de bande. Vous allez vous calmer là, à me gueuler dans les oreilles. Qu'est-ce que c'est? Au revoir. Au revoir, Mike. Bisous. Bisous sur les fesses. Bon. De toute façon, l'épisode est terminé. Je suis désolée, c'était une catastrophe avec ces bugs là. J'ai même pas pu faire danser. Pour la prochaine fois, n'oubliez pas de voter pour une fille. Donc, les trois, sauf Crystal, évidemment. Et moi, de mon côté, je ferai ce foutu lieu. Enfin, du coup, j'ai une nouvelle idée. Je vais installer les garçons aussi parce que pour le moment, leur appartement est vide. J'espère que ça vous a plu. Je vous envoie des cœurs et des paillettes. Et salut!